Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de train HO. Donc, je tourne cette vidéo à la suite de la présentation de la BB16501 Trobi. Donc, là, c'est qu'à le dire, j'ai eu beaucoup de matériel à chaud, notamment tout ce qu'il y a ici. Oui, voilà. Bon, on va commencer. Donc, on va commencer par cette magnifique voiture pilote des BB2N HO de marque Jouès. Donc elle a des petits défauts, notamment ici les marchepieds sont cassés. Ils y sont présents mais cassés. Les tampons, c'est pas. Ils sont pas. Enfin, je pense que c'est les tampons d'origine, mais bon, ça ressemble pas vraiment à les aimants de BB2N. Il manque l'espèce de petit crochet là. Sinon, elle est en assez bon état. Quand j'ai vu, il y avait ce truc là qui était cassé. Un peu de poussière quand même. Et donc, on voit bien, il y a un beau devant. Donc, pour compléter, donc j'ai payé 20 euros. Pour compléter le tout. Donc, celle-ci, j'ai payé 20 euros, je précise. Pour compléter le tout, j'ai la voiture de queue. Donc, ici, il y a la motrice. Je l'ai payé 3 euros. Il y avait le bougie qui était cassé, celui-ci. Il y en avait un autre qui était complet, donc qui est maintenant là. Mais sinon, il y en avait un autre qui était complet. Celui-là, c'est celui qui allait là. Mais celui-là, j'ai préféré refaire celle-ci que celle-ci. Donc, bon, celle-ci, je vais la refaire. Pareil, hein, de marque Jouef. La peinture est un petit peu craquelée. Pas trop de poussière. Donc voilà pour ces deux éléments de VB2N. Voilà. Après, j'ai eu pour 5 euros cette magnifique BB15000 de marque Klima. Donc là, elle est pratiquement complète. Il manque que. Je crois, alors je suis pas sûr, mais je crois les tampons. Je sais pas si sur ce modèle il y a des tampons. Ou c'est que comme ça, je pense qu'on a. Et le pantographe est tout défoncé. Voilà. Elle fonctionne très bien quand j'ai eu. Les roues étaient un petit peu sales, mais bon, je les ai nettoyées. Puis le moteur a eu un peu de mal à démarrer, mais bon. C'est parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas tourné. Je pense que voilà. J'ai payé 5 euros. Alors, elle a été repeinte. Hein. J'ai payé 5 euros. Voilà pour cette. Après, j'ai eu pour 5 euros aussi un wagon du Toulousain. Donc, lui, il a pas de manque, il est en super bon état, roule très bien. Un peu de poussière, mais bon. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais auparavant, j'avais fait une vidéo où c'est que je présentais une 9288 du Capitole Jouès. Alors en fait, elle n'est pas du tout du Capitole, enfin si elle est du Capitole, mais voilà, et ça sera du Toulousain. Donc elle ira avec cette voiture. Voilà, de marque Jouès. Après, nous avons une 63 000 GG, BB 63 000, pardon. Une belle, quand je l'ai achetée, je l'ai eu gratuite. Hein. Je l'ai vraiment pas payé cher parce qu'il y avait des bougies comme ça. Mais ils étaient cassés, il manquait les roues, enfin il en avait deux, donc du coup les deux je les ai mis là. Il y avait le moteur, il y avait tout ce qui était partie électrique, mais bon, il manquait la courroie. Là c'est dommage que j'ai pas le bougie sur moi, attendez je regarde. Ah si. Alors là, j'ai le moteur que j'ai démonté, il vise dessus, je sais pas pourquoi. Oui, il manquait un cardan. Et je crois que je dois avoir, oui, j'ai la partie électrique. Donc j'ai le câblage, vous voyez, le câblage. Hein. Elle a un. Je lui ai déjà. Auparavant, dans une brocante, pour 1,50€, j'avais eu un wagon. Je l'ai là, mais bougez pas. Bougez pas. Alors, j'ai pas le châssis sur moi, mais en gros, c'est un wagon comme ça. Oui, j'ai un de ces bougies sous la main.
Enfin, je crois. Oui, voilà. Donc, c'est un bogie comme ça. On en avait deux, donc du coup, j'ai réussi bah, à s'adapter avec des vis. J'ai réussi à le fixer dessus. Bon, il y a un peu de jeu, mais bon. Bah, sinon, après, il manque une barrière devant, un tampon qui est cassé, mais bon. Un bon modèle quand même. Après, depuis tant que je l'attendais, j'ai eu ce magnifique Trémie Serralier Headford Airpiece. Donc, bon, il est dans la boîte, j'ai la flemme de le sortir là, mais bon, il est en super bon état, il y a juste deux défauts dessus, mais vraiment deux petits défauts de rien du tout. Bah tiens, il y a un des défauts qui est là, donc je sais pas si on va le voir à l'œil nu, il y a la barrière à peu près à ce niveau-là, là, à peu près, elle est en train de se casser sur le. Mais, enfin, elle est en train de se casser, ça va, c'est. Il y a juste une micro-fissure. Et il y a un tampon qui est légèrement cassé à un endroit, mais légèrement. Mais la somme est nickel, j'ai payé 19 euros. Je suis vraiment content de l'avoir eu. Voilà. Après, j'ai eu ce porte-auto. La voiture, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et le porte-auto, bah, comment? C'est un lot que j'ai acheté en brocante. Excusez-moi. C'est un lot que j'avais acheté en brocante avec ce wagon. Donc on fera la présentation après. Bah, il est nickel. Je l'ai payé 2 euros. Nickel. Et ben, je suppose que c'est un wagon trafiqué. Puisque normalement, les wagons porte-auto ont des déjà sont gris et ont des bogies avec. Ont des bogies, là j'en ai pas un sous la main, mais en gros ils ont des bogies pas avec des vis, c'est-à-dire déjà ici c'est des clips, et ici le crochet est directement moulé dans le bogie. Donc ça en fait, si je d'après ce que j'aurais compris, ça aurait été un porte-auto avec les attelages en croc, donc comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, où c'est que je présentais la 16500. En gros, alors là, je sais plus c'est que j'ai foutu le wagon. Mais en fait, en gros, les anciens bogies, deux wagons, c'était des bogies en croc. Donc, je suppose que quelqu'un avait dû le rendre comme ça et voilà. Mais bon, un beau modèle quand même. Et puis après, le petit dernier, c'est un petit wagon citerne. En assez bon état, un peu de rouille, un peu les autos qu'on a cassés. Pas de manque. Il est un peu de rouille quand même. Et il est cassé à un endroit, vous savez, vous avez, pour ceux qui ont des wagons jouets, vous avez des espèces d'ici, je vais essayer d'écrire avec une lampe. Vous avez des espèces de petits pics qui permettent au crochet de ne pas trop bouger, vous voyez. Et ben là, sur ce crochet-là, il y en a un qui est cassé, donc du coup, ça fait que. Vous voyez, voilà, normalement, il doit pas faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et bien, voilà pour cette vidéo. C'est une vidéo, quoi. Merci d'avoir regardé. Au revoir.